Fou de ses deux bergers suisses, Julien Doré a annoncé une mauvaise nouvelle au sujet de l'un d'eux, le 29 juillet dernier. En effet, l'un de ses chiens, prénommé Jean-Marc, a dû subir une intervention chirurgicale après avoir ingéré un morceau de jouet, a rapporté Paris Match. Son maître avait pu le ramener chez lui après que ce dernier a été hospitalisé 4 jours. C'est de nouveau sur les réseaux sociaux que l'interprète de la chanson Les Limites a livré de nouvelles informations sur cette convalescence, le 3 août dernier. Sur le compte Instagram consacré à ses toutous, il a publié le message suivant « Merci pour tous vos messages les fratés. Je récupère peu à peu, telle une influenceuse en pause stopper un plan du CL. On me retire bientôt les points, collerette à mi-temps et reprise de l'entraînement cardio bientôt. En attendant, je profite du canapé, de ma sœur et de ma chanteuse asthmatique. Bisous Jean-Marc. Supérieur à supérieur à Sophie Marceau, Julien Doré, Jennifer. Ils ont quitté Paris de nombreux commentaires positifs et sur le ton de l'humour que l'ancien gagnant du télécrochet Nouvelle Star a choisi de donner des nouvelles de l'état de santé de son chien. Il a d'ailleurs répondu à son propre post avec le commentaire suivant « Pardon, mais c'est moi la chanteuse asthmatique ?» Au cas où d'éventuels visiteurs auraient eu un doute sur l'identité du propriétaire de l'animal. Sur Instagram, les fans du chanteur lui ont exprimé leur soutien, peu après cette épreuve. Prends soin de toi, joli, Jean-Marc, prends le temps et surtout plus de conneries de ce genre, car ton asthmatique de chanteur, ta frangine et nous les relous, on a grave eu peur. On t'aime fort. L'humour se transmet aussi de maître en chien. Profitez bien tous du canapé, un peu de repos ne fera de mal à personne, a-t-on notamment pu lire en commentaire du post-article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Coadic Guirec,